C'est une expérience que je souhaite à beaucoup. Un jour, de se retrouver hors de chez soi. Ça ne veut pas dire hors de son pays, mais en tout cas hors de son univers familier, hors de sa bulle. Et d'être plongé dans un monde totalement différent, et dans ce monde-là, d'éprouver la condition d'étranger. À ce moment-là, on en vient à regarder différemment les étrangers aussi. Monseigneur Pierre Claverie nous interpelle par son message. Sa vie et sa mort apportent un éclairage à la question essentielle de la rencontre avec cet autre qui est si différent. Il écrira « De plus en plus et partout, les hommes de toute race, de toute culture et de toute religion sont appelés à cohabiter. Et là où les groupes humains coexistent sans communiquer, la violence est proche. Les malentendus se développent sur le terrain fertile de l'ignorance et du mépris de l'autre. Il est donc urgent de travailler à rendre la rencontre possible dans le respect et la confiance. » Pierre Claverie est né le 8 mai 1938 à Alger, dans le quartier de Bab El Oued, d'une famille française présente en Algérie depuis 4 générations. L'unité de sa famille lui apporte un équilibre humain et spirituel. Il héritera de la joie de vivre de sa mère et du caractère déterminé de son père. Pendant près de 40 ans, dans une régularité étonnante et malgré ses grandes responsabilités, il entretiendra une correspondance hebdomadaire avec sa famille, leur partageant les détails de sa vie, ses réactions aux événements, mais aussi sa foi, sa prière, sa vie religieuse. Devenu dominicain, ordonné évêque d'Oran, il sera tué dans un attentat en 1996. Mohamed Bouchiki, un jeune ami musulman, qui était venu le chercher à l'aéroport, est mort avec lui. S'inspirant de cette amitié, le frère dominicain Adrien Candiard a écrit la pièce de théâtre « Pierre et Mohamed », un monologue où l'acteur joue tour à tour les deux personnages. En reprenant des textes ou homélies de Mgr Claverie et en composant les paroles de Mohamed, cette pièce qui a été jouée plus de 800 fois veut rendre hommage à l'amitié de Pierre Claverie pour les musulmans, pour les Algériens. Une amitié qui est allée jusqu'au bout. Il a grandi dans cette Algérie-là. Lui, le petit Français. Et je ne comprends pas comment il a pu l'aimer. Je ne comprends pas comment il peut l'aimer quand il la voit comme ça, aujourd'hui. Comment il peut l'aimer au point de ne pas nous quitter, hein, de pas rentrer en France. Comment on peut aimer un pays malade qui souffre et se dévore lui-même? Pour moi, c'est le mystère de Pierre. Peut-être parce que j'ignorais l'autre, ou que je niais son existence, mais un jour, il m'a sauté à la figure et il a affirmé son existence. L'émergence de l'autre, la reconnaissance de l'autre, l'ajustement à l'autre,
sont devenues pour moi des hantises. C'est vraisemblablement ce qui est à l'origine de ma vocation religieuse. L'altérité, c'est la grande question de sa vie, finalement, puisque pendant les 17 premières années de sa jeunesse, il a vécu à côté de l'autre sans le voir. L'autre musulman, l'autre algérien, sans le voir. Il a commencé à évoluer lorsque, vers l'âge de 18 ans, il quitte Alger pour faire des études universitaires en France, à Grenoble. Et ce départ de l'Algérie est pour lui une espèce de blessure. Il perd son milieu d'origine, cette Méditerranée chaleureuse. Il arrive à Grenoble, il dit « ici, il pleut tout le temps ». Et puis surtout, il découvre une université politisée et où donc son ignorance de la réalité coloniale est bousculée par des jeunes étudiants ou même des professeurs qui ont des positions politiques. Et ça va l'amener à faire un chemin intérieur où, d'une certaine manière, se tisse en même temps sa vocation religieuse et sa vocation humaine, j'allais dire, d'épanouissement personnel. Entré dans l'ordre dominicain, il est ordonné prêtre et accepte de retourner en Algérie, alors que la plupart des Européens, installés depuis plus de 150 ans sur la terre algérienne, doivent la quitter. Près d'un million de ceux qu'on appelle désormais « pieds noirs » vont traverser la Méditerranée, dans des conditions souvent difficiles. L'indépendance est accordée à l'Algérie en 1962, après 8 ans de lutte entre le FLN, Front de Libération Nationale, et l'armée française. Une lutte qui a laissé de nombreux morts et entraîné des attentats, tortures et massacres, tant en Algérie qu'en France. L'Église d'Algérie vit donc aussi un bouleversement. Les églises se retrouvent vides, presque du jour au lendemain. Pierre Claverie est présent en Algérie et vit cette période de grands changements. Il est très proche de Mgr Tessier, qui est déjà évêque d'Oran. Et avec Henri Tessier et d'autres, il va faire son travail de théologien, justement, c'est-à-dire accompagner la réflexion d'une église, qui doit trouver le sens de sa présence dans un peuple qui est majoritairement musulman. Et si on n'est pas dans une problématique de prosélytisme, je suis là pour te faire changer, qu'est-ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Et donc il y a toute une réflexion à faire sur l'amitié, le témoignage, le compagnonnage, être avec. Il est rentré en plein dans le projet de notre Église avec cette période du cardinal Duval qui nous mettait sur cette direction et du Concile Vatican II d'être une Église qui fait signe dans une société, dans la société. Je pense que l'Église en Algérie est marquée par cette condition d'identité minoritaire. Entre tous les chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, si on est 30 000 pour 40 millions d'habitants, c'est bien tout. Pierre Claverie apprend l'arabe avec les religieuses libanaises des 5 heures. Il étudie l'islam et tisse des liens d'amitié avec de nombreux Algériens musulmans. Nommé directeur du Centre d'études diocésains des Glycines en 1973 à Alger, il enseignera lui-même l'arabe à des Algériens. Il est ordonné évêque d'Oran en 1981 à la suite de Mgr Tessier. Avec toutes ses responsabilités, il désire rester religieux et ne renonce pas à son ministère de prédication dominicaine. Il passe ses vacances à prêcher des retraites et écrit chaque mois l'éditorial dans le bulletin du diocèse d'Oran, prenant activement part à la vie sociale et politique de l'Algérie. Et là où il va être à nouveau assez créatif, c'est que, évidemment, nos églises étaient vides. Nos presbytères, on n'en avait plus besoin. Et alors, il a dit, mais c'est magnifique, on peut en faire des plateformes de services et de rencontres. C'était sa formule, des plateformes de services et de rencontres. C'est-à-dire, au lieu de pleurnicher sur le fait qu'on n'est plus très nombreux,
on retourne l'affaire et on essaie d'en tirer un parti positif. Il nous disait toujours, ce qui coûte le plus, c'est le premier pas. Et les mots que j'aurais, ça serait garder sortir de soi. Il fallait toujours nous dire, sortir, il faut sortir de nous-mêmes. Sortir. C'est porte ouverte, puis sortir de soi. La parole qu'il a prise a été immédiatement un signe pour les intellectuels oranais qu'ils avaient touché là non seulement un évêque chargé de la communauté chrétienne de l'ouest de l'Algérie, mais un homme qui réfléchissait sur la société algérienne, sur l'évolution du monde, et un croyant qui était capable de d'éclairer cette réflexion non seulement par son identité chrétienne, mais par ce que vivait aussi le monde arabo-musulman. Dans cette expérience faite de la clôture, puis de la crise, et de l'émergence de l'individu, j'acquiers la conviction personnelle qu'il n'y a d'humanité que plurielle. Et que dès que nous prétendons posséder la vérité, hein, ou parler au nom de l'humanité dans l'Église catholique, nous en avons fait la triste expérience au cours de notre histoire. Nous tombons dans le totalitarisme et dans l'exclusion. Nul ne possède la vérité. Chacun, chacune, la recherche. On ne possède pas Dieu. On ne possède pas la vérité. Et j'ai besoin de la vérité des autres. Il est droit dans ses bottes. Il est chrétien, il est évêque, il est théologien, il croit que le Christ lui donne la plénitude de l'accès à Dieu. Mais ce qu'il veut dire, c'est que la compréhension que nous en avons est toujours en chemin. Et tant que nous sommes en chemin, ben ça vaut peut-être la peine de regarder le cheminement des autres. C'est ça, en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il montre que un musulman qui chemine près de lui, lui apporte aussi des choses sur la connaissance de Dieu. Quand je vois l'histoire du salut, quand je vois la pédagogie de Dieu dans l'accompagnement de son peuple, c'est jamais tout ou rien. C'est jamais un oui et un non, c'est jamais binaire comme logique. C'est toujours un accompagnement, c'est toujours un cheminement, y compris dans le compagnonnage de Christ avec ses disciples. Ce n'est pas au tout début qu'il leur a posé la question de savoir « Est-ce que vous me reconnaissez comme Messie ? Donc vous êtes mes disciples ?» Il les a appelés et progressivement, il leur a demandé de le reconnaître ou il les a amenés à le reconnaître comme Messie. Du coup, cet accompagnement peut se traduire en amitié, peut se traduire en fraternité, peut se traduire aussi en interpellation réciproque, peut se traduire aussi en m'amenant, moi aussi en tant que chrétien, à voir comment approfondir mon enracinement en Christ. Ce qui incombe aux chrétiens, pour moi, c'est de rendre audible leur foi en étant à l'écoute des questions que renvoient l'islam et les musulmans, déconstruisant des idées reçues et rendant possible un terrain commun, au moins au niveau humain, dans cette ouverture à Dieu. Le temps du dialogue ne peut pas encore commencer, m'a-t-il dit. Car avant le temps du dialogue, il faut le temps de l'amitié. L'amitié. L'amitié qui permet la parole vraie. La parole qui écoute,
la parole qui ne nie pas l'autre en cherchant à le convaincre. Voilà ce qu'il était venu vivre en Algérie. C'est le moment et l'urgence, dans la mesure où, comme depuis toujours, les relations entre chrétiens et musulmans en particulier sont conflictuelles depuis le début de leur histoire, à mon avis, il faut regarder l'histoire en face et donc prendre acte des difficultés que nous avons de nous comprendre, de nous entendre et de vivre ensemble. Et cependant, parce que ces difficultés s'aggravent dans ces dernières années, il est urgent que des hommes et des femmes de bonne volonté se consacrent. Peut-être pas un dialogue islamo-chrétien au sens où ce dialogue toucherait d'abord la doctrine et la compréhension des textes ou du contenu de la foi des uns et des autres, mais à une rencontre renouvelée, à un essai de rencontre pacifique. C'est ce que nous essayons de vivre là-bas. C'est un peu la mission de notre Église. Pierre Clavry n'avait pas une vision idéaliste de l'islam. Contrairement quelquefois à des islamologues qui regardent ça de loin, il aimait dire, comme moi d'ailleurs et d'autres, on ne rencontre pas l'islam, on rencontre des musulmans. C'est très important, parce que l'islam c'est abstrait, mais il y a des musulmans. Et d'ailleurs le Concile Vatican II, dans sa déclaration Nostra Aetate, ne parle pas de l'islam, il parle des musulmans. Si on croit véritablement que Dieu s'est donné, s'est révélé, a parlé, il s'est mis en relation avec la réalité humaine, avec la réalité du monde, c'est qu'il appelle son Église à faire la même chose. Paul VI, dans son encyclique Ecclesiam Suam, n'a pas dit autrement cette réalité. Il dit « l'Église se fait conversation avec le monde ». C'est ça sa nature, c'est ça sa vocation. Elle est appelée à se faire conversation, c'est-à-dire à se mettre en dialogue. Et c'est ça qui définit la réalité, je dirais, chrétienne. Puisqu'on est habité par le Verbe de Dieu n'est autre que ce dialogue intime en Dieu, justement rendu possible par l'esprit, par le souffle. De 1991 à 2002, l'Algérie vit une décennie noire. Le processus électoral a été bloqué par les militaires pour empêcher l'arrivée au pouvoir des islamistes, qui avaient pourtant obtenu une large majorité. Ceux-ci décident de s'engager dans une lutte armée. Une période d'assassinats et de violences s'ouvre alors, visant particulièrement les représentants de la société civile, policiers, magistrats, imams modérés, politiciens, enseignants, journalistes, chanteurs, et dans un deuxième temps, les étrangers. L'islam traditionnel algérien est un islam de confrérie, de dévotion. Mais l'arabisation, qui s'est faite après l'indépendance par des professeurs venant du Moyen-Orient, a diffusé les idées d'un islam radical. Ces idées ont trouvé un terrain favorable à cause de la corruption des politiciens et de la pauvreté. Et l'islamisme a fait son chemin dans les mosquées et dans les cœurs. C'est une crise géopolitique, c'est une crise d'identité, c'est une crise religieuse, c'est la crise de la région et de la religion musulmane qui rencontre aussi la modernité sous une autre forme. Et comme toute crise, elle peut conduire à une mutation, une transformation, comme la crise d'adolescence qui permet de devenir adulte, comme elle peut conduire à une crise de crispation. On se retourne en arrière parce qu'on a peur de la transformation, on a peur de l'ouverture. À partir de 1991-92, du développement de la violence islamiste, l'accent a été un peu différent. Ça a été l'autre à une identité qui m'échappe. Et je dois savoir me situer devant cette résistance de l'autre. Je ne peux pas proposer à la communauté musulmane de faire le chemin de renouvellement intérieur et spirituel que
la communauté chrétienne est en train de faire depuis Vatican II et même depuis 50 ans. Cette tradition religieuse a ses propres rythmes. Depuis le début du drame algérien, on m'a souvent demandé « Que faites-vous là-bas ? » Pourquoi restez-vous ? Secouez la poussière de vos sandales. Rentrez chez vous. Chez vous ? Où sommes-nous chez nous ? Nous sommes ici à cause de ce Messie crucifié, à cause de rien d'autre et de personne d'autre. Nous sommes là. Comme au chevet d'un ami, d'un frère, malade, en silence, en lui tenant la main, en lui épongeant le front. À cause de Jésus, parce que c'est lui qui souffre là, dans cette violence aveugle, qui n'épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d'innocents. Où serait l'Église si elle n'était pas là d'abord ? Je crois qu'elle meurt, l'Église, de n'être pas assez proche de la croix de son Seigneur. Je crois que Jésus s'est placé justement sur les lignes de rupture de l'humanité. Là où il y a rejet, intolérance, cassure. Que ce soit les lignes de rupture à l'intérieur des personnes, malades, désespérées, solitaires, rejetées, que ce soit les fractures entre les groupes humains. On parlait tout de suite, par exemple, du pharisien, du publicain, par exemple, ou du juif et du non-juif, ou du croyant et du non-croyant. Et donc Jésus s'est placé là. Et il n'a pas fait grand-chose que de se placer là. Et c'est la dernière image que donne Jésus, n'est-ce pas, dans sa vie, d'un homme écartelé. Donc une main à l'intérieur, une main avec l'exclu. Il place ses disciples sur ces mêmes lignes de fracture avec la même mission de guérison et de réconciliation. L'Église accomplit sa vocation et sa mission quand elle est présente aux ruptures qui crucifient l'humanité, dans sa chair et dans son unité. Pourquoi rester ici ? Et Pierre a répondu, même pour la seule vie de quelqu'un comme Mohamed, ça vaut de risquer sa vie. Il sait bien qu'il va mourir. Comment l'orage de feu qui s'abat sur l'Algérie, qui n'épargne même pas ses moines, perdus dans la montagne, pourrait passer sans emporter cette voix forte qui parle à la radio et même à la télévision? Si Pierre doit mourir, permets que je sois avec lui à ce moment-là. Ce serait trop triste que Pierre, qui aime tant l'amitié, n'ait pas un ami à ses côtés pour l'accompagner à l'heure de la mort. Thank you.
mort de Monseigneur Clavier et de mon fils Mohamed. C'était un signe de paix. De paix et d'amitié. Leur sang, leur chair était mélangée, était déchitée. Alors ils sont tous mélangés ensemble, enterrés ensemble. Alors là, c'est un signe de Dieu que nous sommes tous des enfants de Dieu, soit chrétiens, musulmans. C'est ça le signe de paix et d'amitié. Le 1er août 1996, Mohamed Bouchiki raccompagne son ami jusqu'à l'intérieur de l'évêché. Une bombe les attendait. À l'enterrement de Mgr Pierre Clavery, beaucoup de musulmans viennent lui rendre hommage. Il est le dernier des 19 religieux et religieuses assassinés en Algérie, parmi les 150 000 morts victimes de la décennie noire. L'Église, qui a traversé ce drame avec les Algériens, est devenue à ce moment-là l'Église algérienne. Voici les paroles de ce chant arabe. Nous témoignons qu'il n'y a d'existence que par l'amour. Nous témoignons qu'il n'y a de vie que dans l'amour. Nous témoignons qu'il n'y a d'homme que pour l'amour. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'amour. Il a été assassiné. Ça a été terrible. On a voulu lui fermer la bouche, mais il parle encore plus maintenant. Il me paraît absolument essentiel qu'en France et partout où cela est possible, chrétiens et musulmans, nous des relations de confiance, d'amitié, essaient de se comprendre mutuellement, en sorte que, là où ça n'est plus possible, on puisse au moins, regardant vers l'extérieur, espérer encore qu'un avenir entre chrétiens et musulmans sera ouvert. Et c'est ce qu'une amie, Oumel Rer, nous avait dit aussi, pour la présence de l'Église en lien avec d'autres croyants. Soyez la petite pierre qui empêche la porte de l'islam de se refermer sur lui-même. Moi, je crois beaucoup à la rencontre. Je pense que c'est par les personnes qu'on comprend des choses. On peut lire des livres, on peut... Mais la rencontre chez soi, ailleurs, et là, l'Europe, voilà, elle doit cheminer. Mais je pense que si elle ne reste pas une Europe ouverte, et une Europe qui a des valeurs, elle va elle aussi contrainte de s'enfermer dans des murs, c'est-à-dire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, et évidemment ça engendrera de la violence. Donc la seule alternative à la violence, c'est la rencontre. Tout le monde devrait avoir au moins un ami musulman. Parce que quand vous avez un ami musulman, vous avez une petite clé pour entrer dans une réalité que vous ne comprenez pas, qui vous semble étrange, peut-être menaçante. Donc je pense que ne pas avoir peur, oser l'amitié. Du livre d'Isaïe, chapitre 50, versets 4 et 5. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille, pour que j'écoute comme un disciple.
Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. Seigneur, tu es venu le premier à notre rencontre, alors que nous étions loin de toi. Donne-nous la grâce de la rencontre avec cet autre, différent de nous, et qui peut nous faire peur. Viens désarmer en nous et en l'autre toute violence, fermeture, mépris et haine. Nous te prions pour l'Église algérienne, qu'elle puisse continuer à être un signe de ton amour pour tous. Nous te confions la communauté du Chemin Neuf et sa présence au monastère de Tibérine.